Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 28 janvier 2023. En tout cas, c'est une très, très grande joie que j'ai aujourd'hui, encore une fois, de venir devant vous parce que ça faisait quand même toute une semaine, on ne s'est pas vu, indépendamment justement de ma volonté parce que autre chose nous appelle ailleurs. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de préparer pour cette année 2024, comme je vous l'avais dit. En tout cas, soyez patients car nous sommes en train de vous préparer de bonnes choses. En tout cas, cette année, vous allez vous régaler avec Contact Pro Live. Donc, nous sommes au four et au moulin en train de vous préparer de la bonne sauce. Donc, si je m'éclipse un peu, comprenez que nous sommes en train de travailler. Il y a des choses qui sont en train de venir juste pour vous, pour vous régaler, pour vous donner des choses que je pense vont encore élever votre conscience. Aujourd'hui, nous sommes, comme je vous disais, le 28 janvier 2023. Donc demain, ça sera le Parlement, la première séance qui sera convoqué, donc les invitations circulent déjà sur les réseaux. Vous voyez déjà comment les gens sont en train de se dire, bon, la première séance. Donc, il y a déjà même un programme, le bureau d'âge, et tout ce que cette première session va définir finalement le premier tempo que nous aurons de cette mandature, de deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Alors, dans ce que nous allons parler aujourd'hui, réaction, c'est-à-dire justement cet événement de demain lundi a préoccupé depuis la semaine passée, parce que c'est ça l'événement majeur qui nous attend. Et ça, cela va dissiper tout ce qu'on est en train de parler sur les réseaux, qui sera le premier ministre, le partage du pouvoir a préoccupé les réseaux et beaucoup de gens continuent à en parler. Qui va être qui sera qui? Nous avons vu quelque part, on dit que Likambwa Inyo Sacré qu'on disparaître, tout ça quand même ressort avec une autre alliance. Bon, de toutes les façons, dans tout ça, c'est cela qui va nous préoccuper aujourd'hui dans ce que nous appelons réaction. Et maintenant, dans ces réactions d'aujourd'hui, nous allons aussi parler de quel est l'objectif qu'on est en train de poursuivre, mes chers amis. Et là, on est en Otozo Luka. Nako Bunda Bunda Oyo. Qu'est-ce que nous cherchons? Quel est le but principal de ce que le Parlement Kosa la Nini? Est-ce que Toza Koyoka, Bisonyo Sumakamboza Koleka, côté off caméra, lobby boye, Tshisekedi lobby boye, il a repris encore avec les voyages, tout ça. Mboka ezana mbutu mbutu na bouluye, que quelque part, gentini, réhabilité, batouba. Donc, nous sommes dans un imbroglio. Que parfois, je me dis, m'éclipser aussi, me prévient aussi à ce que nous ne puissions pas nous tromper de ce que nous sommes en train de dire. Parce que nos déclarations, lorsque nous pensons que c'est ici où vont les choses, imagine-toi par exemple, Jekoko, à Salisoki, deux jours, Mbalamoko, boye va réhabiliter gouverneur, finalement, c'est lié à gouvernement, Nabiso, Ezali, Wapi. Voilà un peu ce que nous allons discuter aujourd'hui, Makambango Yangwana. Mais, d'entrée de jeu, je voudrais un peu qu'on en parle un peu. Qu'on en parle de la position de l'opposition. Quelle est la position de l'opposition? Ça, c'est justement une question que tout le monde voudrait savoir. D'abord, na prestation à serment, il y a président de la République. Je crois que beaucoup la figure d'emblée que Batualinga et Bamona et Linga Kezala Kabila Zala présent. Mais Kabila a quitté. Il n'était pas là. Je crois que quelques membres d'opposition Bazala qui ont a Fayoulou, bien sûr. Mais rappelez-vous que Fayoulou, il y a eu des rumeurs qui étaient de mèche avec Fachi. Peut-être, Batumsusu Nathan, on a Barimer, on a Bandekokia,
que Fayulu faisait les yeux doux à Fatshi. Comment? Batu babandaki kokanisa que non, Fayulu avait accepté la main tendue que Tshisekedi avait dit. Et barimere bandai koloba que non, ce qui Fayulu a poussani pembeni à Fatshi, peut-être Fatshi a nommé premier ministre. Donc, banalise les okende dans tous les sens et tout ça. C'est comme ça qu'on s'est dit, parfois, il faut avoir un peu de recul. Quel est le sens que Ezalaki Bayokana Kindengenini? Mais tout d'un coup, quelques temps après prestation, on comprend que la politique commence à bouger, comme il se repositionner. Premier mouvement, Ezalaki Nini, Kamere qui crée une alliance. Justement, avant que le Parlement y ait alliance, moko na kati ya union sacrée. Et nous avons dénoncé ça. C'était trop simpliste. Et Zalaki biloko moko batubaza ko comprendre te, pourquoi est-ce que Kamere peut former une alliance dans une bangonyo sobaza ko supporte président de la République? Pourquoi? Parce que tout le monde puisse se laisser. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bokonzi oyo ezali komzala awa na kati ya mboka oyo. Batu balingi Fatshi mutute abuskile te na makambo ya bokonzi. Ke lui il est le chef suprême. Il est le seul qui va tout dire, qui va tout commander. Makambo nyonso c'est à lui. La responsabilité de ce pays lui appartient. Ainsi, c'est lui qui va partager le gâteau selon sa volonté. Or, il a toute la majorité, il a 73%, il a gagné les élections avec 73%. Donc, batu ebele ya na côté IDPS balingite mutu alobate que non Fatshi. Laissez le roi soleil décider de qui sera où et qui sera. Parce que opposition est alité. C'est comme ça que nous avions intitulé notre émission. La position de l'opposition, c'est où? Baza wapi. Après que Fatshi attendre la main à l'opposition, parce que na après discours ya Fatshi akoloba que non, ya ko travailler na ba tricher te. Après que la tricherie ba tu babandi ko assumer ngo que non, c'est justement la majorité présidentielle ba to bazaki na sima Fatshi nde ba tricher. Et Fatshi longwe na kati ya lobby te ngana ko travailler na ba tricher te. C'est ainsi que Mutu kota ki na majorité kuna bumba tu bakomi koluka ba positionnement. Kamera sauté premier lobité. Poto obligé Fatshi attirer attention ke asa la bouzo bate. To banda déjà ko se rallier. To bimisa majorité na biso na kati ya majorité. Et tous les rumeurs vont dans tous les sens. Qui sera le. Donc Mutu oyaza déjà a gagné na 73%. C'est-à-dire qu'il a la majorité, c'est-à-dire que na parlement ba kosala makambukuto akotina ba banani wana ba émissaire pour ba déceler majorité exacté. Ça n'a plus de sens. C'est ça le grand problème que les gens batwaza ko comprendre te. Et c'est là maintenant oyo position et opposition ezawapi tozo mi poser la question ezawapi parce que la main que atoloba ki na suka ke non l'opposition Fatshi attenda ki la main à l'opposition alobite to kosala na bino na ndenge pe aloba ki ke non moi je ne travaillerai pas avec les tricheurs et tout ça bato. Donc il faut corriger les erreurs du passé. Je crois maintenant dans la majorité, ils se sont dit non, nous devons respecter le texte. Parce que ce qui est là, c'est qui est premier ministre, président nommé premier ministre, Mutumoko à opposition, a débauché Mutumoko Kuna. C'est ça le problème que Toza Kolobela a à Keno. Qu'est-ce que Fatshi a causé avec Fayulu? Tant que Fatshi a causé à Keno, maintenant que je suis installé, que je suis le roi soleil, je vais désigner qui je veux. Et je peux aller même débaucher dans l'opposition en disant Fayulu ou bien Barimer Pe Tambolaki Keno Matata. On soupçonnait que peut-être Likamwana Matata et Lingaki Fatshi Oiko Benda Matata Lobi Matata Yaka Kouede Biso Awa. C'est possible. Yangwana Tozan Komona Mbutu Mbutuza Nakati Yanani à majorité Leloyo.
ba alliance komi ko se poser oh non IDPS pe lanite lobite biso toza sa soki na 140 députés na batu donc toza à peu près 256 donc nous c'est nous qui devrons en principe choisir un premier ministre et donc muto yo facha kotinda po ya ko ta la majorité wana, je ne sais pas comment on l'appelle encore, je vais me souvenir de cet oiseau rare qu'on va envoyer au parlement pour justement battre la majorité zawa pi bato baz po ba luka moyen ko nommer premier ministre parce que c'est cela l'enjeu. Anje yango wana, nani yango koza la premier ministre? Gouvernement koza la nani? Est-ce que iba tuto? Komi deja koyoka wa batu ya fachi bazo loba keno, batu ya IDPS. Keno, baza e gri, batu msusu ba... Donc, ça devient un peu difficile pour les gens même, oyo, ya koloba toza na confiance à Mokunzi. Voilà là où ça nous amène les tractations où on a commencé à diaboliser Kamere. Oh, Kamere za Burundi. Likambwane bimi lisusu. Vous comprenez que nous sommes en train de nous tuer. Oh, Kamere za Burundi d'ailleurs. Eh oh, boye, boye, tout ça. On commence parce que c'est comme si Kamere et Fachi ne sont plus à bon cœur. Pour l'instant, et comme Yusko Likamoussousou, est-ce que Fachi va respecter Eloko à Nairobi? Parce qu'aujourd'hui, Nandenge Bazali, si Fachi peut décider que Kamere soit premier ministre, il n'y aura pas de problème. Parce que Bangonyo Zotou Bazana Katia majorité. Mais c'est comme cela, c'est comme ça. Moi, je pensais, Mgaï Nabandao Kanisakeno et Kozala. Tout le monde pensait que ça allait être ainsi. C'est-à-dire que Nandenge peut supporter, gagner l'élection ensemble. Ils ont ce qu'ils ont dit. Parce que nous pensons que l'opposition aujourd'hui a dit que ces élections-là n'ont pas eu lieu. Il n'y a qu'un simulacle de réélection. Mais quand même, ils sont dans le même sac. C'est-à-dire que le président de la République peut au moins respecter nani nae promesse nae à Nairobi à Nakoloba, ce qui n'a l'équipe Mokonzi, yokoza la premier ministre. Aujourd'hui, il n'y a rien qui peut empêcher Félix Tshisekedi de nommer Kamere comme premier ministre pour respecter l'accord de Nairobi au Basinya Kana 2018 kuna. Voilà un peu Eloko Otozali Nango Lelo. En tout cas, avant que nous continuions, je vais demander à ceux qui ne sont pas encore abonnés, bon s'abonner, parce que Tozolo Bela Makambo Eko Kendelobi, bon s'abonner nan, bon partager peu émission, comme ça total à Tozo avancé, Batu Bele, et puis idée Nabiso Oyo, il y a rétrocession du pouvoir au niveau de la base et les Kabatu, Bakote, Eko Tanamitoa Batu. Alors, voilà un peu. Au saturé à réaction, au réagir, na likambo ya mbutu mbutu ezoko sale malelo sur le sphère politique en République démocratique du Congo. Parce que vous étiez nombreux. Bozo tina, bozo bengangai, me yo zolo banini, okimi, oh boye, bo na robina kimi, tena okima nini. Je peux pas. Nga na okima, te tozali ensemble là. Mboka oyo, toloba ki musala, oh biso to se choisissa ki ango. À tous ceux qui m'envoient des messages, oh non, mon yo kimi bozui bubozui te. C'est pas question de ça. Je vais vous rappeler une chose, Bandeko. Nous avons encore la guerre à l'Est. La guerre est en train de brûler là-bas. Félix n'a pas réalisé sa promesse. Oh, ya liboso, promesse na ya liboso. Ya campagne. Tangwa lobby. Ce qui ba M23, ce qui attaque congolais moko akufi bokoyo ka riposte ngana fait bon peut-être riposte ango to yebi ango te et puis vous êtes en train d'attendre na ba réseaux sociaux awa ndenge Kagame kuna réunir batu na lobby et loko ko sale maté batu ba mikosa te bola la boke ndola la bien. C'est ça que Kagame a dit la semaine, cette semaine ici. Pourquoi? Parce que na menace wana Félix alobaki ke soki ayoki lisasi moko bien congolais moko akufi riposte kozala sans est-ce que yangwana babande kobwaka ba bombe na mweso oye bomi batu? Est-ce que c'est le FARDC? Est-ce que c'est le M23? Entre-temps mweso koyoka tamu susu batu bazana hôpital oye que tombe tout ça. La guerre a repris là-bas, ça c'est un point. Pendant ce temps-là, Biso Awa,
na Kinshasa toza ko discuter makambo a partage du pouvoir pendant que les gens sont en train d'être tués à Goma à l'est de la République démocratique du Congo. Ça c'est un point. On est allé ça c'est une épine na lokolo ya Tshisekedi. Aujourd'hui, on ne peut pas commencer à discuter de qui sera qui pendant que nous sommes en guerre. Et moi, je pensais que l'ikambwa kosala, il fallait que tout se concentre dans nous. Makamwana, il y a guerre à la République démocratique du Congo à l'Est. Tout bongisana nous, unité nationale ezala. Réconciliation nationale. Pensons à comment est-ce que nous pouvons reconquérir Tozoa Bunagana Ndengenin. Mais nous sommes en train de nous battre ici pour la redistribution des postes. Et je vous dis, et je vous révèle quelque chose. Mbongo ezo circulé na Kinshasa na ndenge ya kosakanate. Les juges de la Cour constitutionnelle ont haussé les enchères comme à Makasi. Il faut payer 10 000. Il faut négocier 10 000 dollars, pas 10 000 francs. À ces juges, à la Cour constitutionnelle, nous les dénonçons ici parce que nous avons les preuves. Mutu alingina tinde leba preve aye abenganga inbox. Et puis ceux qui olingina na solola nayo abonnez-vous na pesa yo ba preve wana tangible que non ba juge à cour constitutionnelle baza ko senga mbongo. Likambo ya ba sénateur est commis terrible. Les gens commencent à aller dans les provinces, les tractations, les enchères se négocient entre 10 000 et 20 000 dollars. Batoua ba député provinciaux wana o bazali ba o ba ko siéger pe parce que ce sont eux qui vont élire les sénateurs ba komi ko senga 10 000 dollars pour na voix na ye. Imagine-toi ce que oza olingoza la sénateur sikoyo. Il faut que ndo corrompre 10 députés. Ça veut dire il faut zala na 200 000 dollars. Corruption est commis à ciel ouvert na kati ya Congo. Voilà un peu ce qui se passe. Et moi, je détiens le preuve. Nazana ba preuve. Namutu oyo pe alingi na pe se ba preuve na e contacte ngai, mais avant que na solola nayo, il faut zala abonner na ngai. Ba preuve zali ke ba député provincial à Lubumbashi, au Sud Kivu, à l'Équateur, à Kinshasa. Tozana ba preuve ya bato baza ko négocier kozala ba sénateur et comment ba prier za kozala. Tozana ba preuve, je vous l'ai dit. Et c'est très honteux pour la République démocratique du Congo. On ne va pas étaler ça sur ce. Mais na kotinde la kango inbox à celui qui veut m'entendre. Na kotinde ba preuve wana et puis vous pouvez vérifier. Ba biloko wana za kozala malelo. Donc Mbongo ezako circuler likambo abato ko kende na cour constitutionnelle pour ba réhabiliter. Il y a des risques que beaucoup de gens qui ont été Kadima a fait passer, il y a beaucoup de risques que la cour constitutionnelle ba longola batwana ba réhabiliter batu mususu moyennant l'argent nesiko likambo yo mboka na biso tozo kende na ngo yango wana. Ainsi donc, on ne comprend plus bien, c'est une république bananière. Ce qu'on a dans bon côté, donc, moyen. Les gens sont en train de vendre leur jeep, qu'on évite un peu de toto se tremper dans Katikuna. Mais c'est très mauvais, ça sent mauvais. Et donc, je disais que sécurité n'a pas besoin de préoccuper Bissoté. Ce qui nous préoccupe, ce sont les postes à Kinshasa. Voilà un peu Babiloko Ezako Salema sur terrain et que vous m'aviez posé beaucoup de questions na linga qui n'a ramassé en place pour que Naye Bisabino, ce que moi, ma réaction, ce que je pense de cette situation-là. Qui sera Premier ministre? Je ne suis pas sûr, je n'en connais pas. À voir ce qui se passe, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de gens qui seront dessus. Comme aujourd'hui, la grogne est en train de monter au sein de l'UDPS. Batouébele a UDPS, comme il finit même Kadima. Que Kadima a fait un mauvais travail, Kadima n'a pas bien fait, tout ça. On a nini. C'est parce que les élections n'ont pas eu lieu. Et c'est comme ça que nous disons, où est la position de l'opposition?
L'opposition a croisé la main, les mains. Donc, Mukwege a repris avec son histoire de l'hôpital. Katumbi est dans sa ferme là-bas. C'est cette opposition-là qui croise Baza Kotal et la Balobi. Bino Batuobo gagna qui ba élection, allez-y. Et victoire en haut est comme Ingaï. Yangwana Zolo Bakeno, il y a risque que. Félix Tshisekedi a décevoir ceux qui l'ont fait voter. Et puis, il paraîtrait, moi je dis, il paraîtrait que lui-même, Félix Tshisekedi, n'est pas content, mais il avait déjà lâché quelque chose en disant que na mandatir na e oyo akotsala na ba ceux qui ont été corrompus, les voleurs akotsala na bangote. Et par là, beaucoup de gens commence à aller, donc, soupçon, et comme il faut qu'on est dans tous les sens. Oh, il faudrait nommer Gilles Alinghetti comme premier ministre. Oh, tout ça. Oh, Matata. Oh, tout ça. L'incertitude règne. Au fait, tout autour, il y a Roi Soleil, Félix Tshisekedi. Il suffit qu'il parle de quelque chose. Ceux qui sont tout autour de lui amplifient cela. Likambwa matate zala ki kaka keno ta msua bande koloba, il paraîtrait, moi je dis pas que c'est ça la vérité, mais nous entendons comme tout le monde, mais avec des sources qui sont du moins un peu sûres en disant que non, le président avait, c'était pensé que non, il fallait que a fait revenir Matata. Parce qu'il avait, il a tous les atouts aujourd'hui de nommer qui il veut. Et il ne peut pas faire aucune erreur aujourd'hui. Yakotia Batu Oyo, baza déjà, na bo bako sali sa ete po na kosala musala ya bien. Il veut vraiment se racheter, le président de la République veut se racheter, Félix veut se racheter en faisant que tour oyo batuba kende na ndenge moko ya bien. Mais nous allons dire quoi pour conclure cette émission? Dans toutes ces tractations, babilo ko na nyoso ezo kende. Vérité za wapi? Qu'est-ce que nous devons retenir du président de la République? Bandeko, le grand problème, ce n'est pas amener des gens technocrates ou quoi que ce soit. Moi, je crois que l'objectif est Zanini. L'objectif est la réconciliation nationale. L'objectif est la sécurité. L'objectif est la... L'État congolais doit recommencer à fonctionner. Et Boyoka qui, je crois, na munoko ya Patrick Muyaya, qui a prêté un mot de l'opposition en disant la refondation du Congo, qui était celui de Délice et Sanga. On est allé qui programme à Délice et Sanga. Mais comment aujourd'hui, Patrick Muyaya commence aussi à adopter ce langage-là de la refondation du Congo. Et bah tout même, j'ai écouté Billy Kambale aussi qui dit que non, Makambo a changement à constitution, Kyokoya. Mais ce que nous devons savoir aussi, qu'il y a des articles, donc Babylon Kebele, si vous avez suivi Billy Kambale, il a dit, l'État congolais doit commencer à fonctionner aussi. Et donc, tout le monde, s'il faut corriger les erreurs du passé, c'est quoi les erreurs du passé? Il faudrait que le président de la République puisse redéfinir effectivement les erreurs à passer Zala Kinini. Moi, je pense que si nous pouvons résumer les erreurs du passé, c'est le mauvais fonctionnement de l'appareil de l'État, qu'il faut penser à refaire fonctionner. Total, à quel est le mécanisme y a qu'à faire fonctionner Nani Alikambwa 145 territoires. Et c'est par là où je vais terminer. Parce que dès le 2019, nous avions dit en 2020 qu'il fallait rétrocéder le pouvoir au niveau de la base afin que l'administration puisse refonctionner au niveau des territoires. C'est là qu'est né le projet que nous appelons ici le projet de ces 145 territoires. Maintenant qu'ils s'en rendent compte en disant qu'il faut refonder le Congo, il faut définir ces concepts-là. Nous avions dit, pour y arriver, il faut proclamer pratiquement la 4e République et préparer la 4e République. Parce que, tout ça pour que la 4e République soit préparée en un mandat. Et mungai na bandai ko kanisa na lobi, tâche linga ke zala facile pour na Félix Tshisekedi, en faisant partie à Batoua lobi bandeko. Confions-nous d'abord à nous-mêmes. Mandat au pendant ta 3 ans au Togozala Awa. Préparons un nouveau Congo.
to préparer nouveau Congo parce que biloko nyonso tokosala awa na modèle otozali ekosimba kate. Regardez les universités na mbujimaye na bite soke kosilaka. Tout ce qu'il a commencé avec mikakatano otoza nango alelo. Okomona batu tu bazolinga bakota bakende koyiba tout ça biloko na nyonso. Il faut refondre le Congo, il faut se penser à ce que à s'entourer avec un autre objectif, la vision ya Congo ya sika. Moi, je pense que c'est ça qui doit être une solution. Aller avec le projet de 145 territoires pour nous préparer Congo à Sika. Préparons l'administration. Concentrez-nous à remettre le pays ensemble pour que tout travail soit ensemble. Mais si nous allons dans l'objectif à Kolobake, non, nous allons reconstruire ceci, nous allons construire ceci, pendant que nous sommes divisés, cette unité nationale ne s'obtiendra pas. Or, pour que le Congo décolle, nous devons avoir une unité nationale bien conçue. Nous devons avoir la réconciliation nationale, la cohésion nationale, former à l'État Nabiso, refaire fonctionner l'État congolais. C'est cela que moi je pense que doit être orienté aujourd'hui Félix Tshisekedi. Mes chers amis, je vais m'arrêter là-bas. Je crois que demain, encore une fois de plus, nous allons continuer notre réflexion. Donc, l'objet de Tozana émission Moko Réflexion, ça sera justement sur le développement des 145 territoires ou la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Nous allons continuer sur ce flanc-là pour essayer un peu d'aider ceux qui ont le pouvoir en main à reconnaître que non, les erreurs du passé, c'est quoi et où est-ce qu'ils veulent amener le Congo. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tous ceux qui sont encore en train de s'abonner sur cette chaîne. Vraiment, ba abonnement na bino ezali ko sala keno toza ko kende liboso. Partagez l'émission si vous êtes abonné. Partagez pour que Batouba ait belé. On se revoit prochainement donc dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.